Bonjour, bienvenue sur Passion Naco, la chronique radio. Bonjour. Alors Loïc, Loïc. Dis-le si tu veux que je m'en aille. Reste. Redis, on est avec qui alors? On est avec Guirec, donc, qui est notre partenaire Reptile Mag. Et puis les éditions Animalia. Bonjour. J'adore parce qu'on se la joue à la télévision. Hein. On dit à chaque fois bonjour, même si je vous assure, on a dit bonjour avant, quand même, on est bien élevé. Alors Guirec, les éditions Animalia, Reptile Mag. On a déjà présenté le dernier Reptile Mag. D'ailleurs, qu'on va te remercier à nouveau. Alors moi, j'ai rigolé parce que. Ils racontent dans leur début les 2-3 erreurs, les choses oubliées. Ouais, ça n'a pas photo. Été facile parce que ce numéro fait les 15 ans en fait de Reptile Mag, ça fait 15 ans qu'on est là. D'accord. Voilà, donc je voulais raconter un peu l'histoire avec quelques anecdotes assez rigolotes. Voilà, dont les gens ne sont pas tout à fait au courant en fait. D'accord. C'est clair, mais ça nous rassure parce que des fois nous aussi on a des problèmes sur les vidéos de son, etc. Voilà, on a pareil sur le papier en fait. Donc dans les débuts, c'est jamais évident de ce point de vue-là. Le Reptile Mag, donc en résumé, c'est un magazine qui sort tous les trimestres. Là on est dans la période. Ouais, donc là c'était mai, juin, juillet. Août-septembre-octobre. Août-septembre-octobre. Donc on réserve encore secret pour les prochains sujets qu'on secret va découvrir. Défense. Secret défense pour les prochains sujets qu'on va découvrir dans le Reptile Mag. Toujours l'Axolotl, qui est un ouvrage que tu nous disais. C'est le seul livre en français qui traite de l'Axolotl. Vraiment en détail, complètement en détail de la maintenance, reproduction, alimentation. Il y a même toutes les phases en fait. Ouais. Voilà, c'est ultra complet, c'est le seul en français, il n'y avait aucun ouvrage sur l'Axolotl, alors que c'est une bête qui est quand même bien à la mode en ce moment. C'est vrai que c'est une bête qu'on trouve. C'est difficile de trouver des bons ouvrages complets dans la terre. C'est ce que je disais, et sans cirer les pompes de notre partenaire, comme je le disais à chaque fois qu'on a présenté des émissions, c'était souvent les ouvrages des éditions Animalia qu'on récupérait. De toute façon, c'est... J'ai collé au pain, c'est quand même quelque chose de faire appel vraiment aux gens qui font le métier, et j'ai même des éleveurs vraiment spécialisés à chaque fois pour la bête concernée. Et la dernière fois que j'étais venu à Arras, j'avais dû acheter sur les poules Pékin. Ils font vraiment tout, ils font sur les poissons, les poules Pékin, c'était pareil, sympa. Poules, c'est aussi à chaque fois un éleveur de la race qui fait le truc. C'est pas mal de ce côté-là. On voit aussi un petit clin d'œil pour notre ami Loïc, qui a un ouvrage sur les migales, Python Royal, il y a vraiment de quoi faire. De toute façon, il y a toute la liste. Vous avez de toute manière possibilité de commander en ligne. Oui, tout à fait, sur le site Animalia. Sur le site Animalia, on peut commander en ligne directement. Le petit lien en description. On va revenir. On fera une émission spéciale sur l'Axolotl et on vous présentera également l'alimentation pour les reptiles. L'ouvrage que tu nous as envoyé, on a prévu de faire un topo sur les reptiles. J'ai déjà commencé à bosser dessus. C'est vrai qu'il est pas mal complet. Il y a déjà du monde qui font les tests radio. Je vous rappelle qu'on est à Arras et que c'est pas encore ouvert et qu'on enquiquine déjà les exposants qui sont tous en train d'installer. On fait chier tout le monde. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Je vous invite à aller voir le site internet Animalia Edition. Allez, à tout de suite. Ciao.